Voilà. Ah, j'espère que je vais pas être malade. Au pire des cas, c'est juste un petit rhume. Oh non! Ah non! C'est le mour! C'est le mour du décès! C'est la mort du décès! C'est la mort qui tue! C'est pouf dans la chetron! C'était vraiment très nul! Ah! Et voilà. Wow. Oh. 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 Bon, allez là. Voilà. Soin. Heureux. Digeste, ton téléphone n'avait plus de batterie. C'est fort fâcheux. Oh! Incroyable! Incroyable énigme! Non mais lâche ça, Mario! Dans les plumes de Toc Toc, qui est là? Comment ça, j'ai pas le droit d'éteindre les flammes? Non mais... Non mais... Qu'est-ce que ça veut dire? Casse le caillou. Est-ce qu'il y a du pif caillou dans la dans la lave? Et j'ai pas vu s'il brillait ou pas. Oh non! Ils sont pas réapparus. Ah mais il y en a plein des cailloux. Ah, les petits coffres remplis d'argent, c'est très bien. C'est tous les biens. Est-ce que c'est qui je pense que c'est? Est-ce que c'est qui je pense que c'est? Genre... d'arriver ici. Eh ben la suite c'est pas de la tarte. Loul.
Mario, please. Oh oui! Le gros cœur. Tords-moi pour te projeter dans les airs. C'est bien que ce soit lui qui le dise enfin, tu sais. Au bout du je sais pas combien tième de frouchettes qu'on rencontre. Et à qui on fait ça, surtout. Un bébé, qu'est-ce que t'en penses? Oh les bébés chats. Oh les bébés chats. Oh le bébé chat. Ça va? À la fin du jeu, appuie sur B pour sauter. Ow. Petit skip. Mais bon, on va quand même prendre le chemin normal parce qu'on veut récupérer les trucs. La garde, c'est arrière. Alors je suis désolée, mais la garde, ça n'existe pas dans les jeux de combat. Tout le monde sait la garde, boue. Enfin non, en vrai, la garde, c'est super important, mais je l'utilise jamais, honte à moi. Enfin, j'y pense jamais. Est-ce que vous avez dit que c'est pour ça? Est-ce que vous êtes en train de dire que c'est pour ça que je suis pas très doué au jeu de combat? Peut-être. Non. J'ai bien envie d'aller voir là-bas quand même. Mais avant, je voudrais bien un checkpoint que je puisse revenir rapidement. Oh bonjour la petite flamme. Allez. Et de deux. Et voilà. Un bébé. Elle est d'accord. Plaf. Ouais. Oups. J'avais oublié que j'avais pas capi. Allez, sors-toi de là. Pourquoi attendre les plateformes quand on peut juste passer? Ah! Ah, ça glisse! Ah, mais ça glisse de partout! Et c'est la mort! Non! Non! Le TP est impossible! Ah! C'est la mort! Oh! Bien, 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 bien! Oh, oh, il y avait des blocs cachés pendant tout ce temps. Incroyable découverte. Il y avait des blocs cachés pendant tout ce temps. Et on ne m'a rien dit. Oh, ça aurait presque pu le faire. Eh ben, bonne nuit Alice. Repose-toi bien.
Donc on en était là, hein? Mais va-t-on y arriver un jour? Ah, c'est le passage le plus difficile dans Mario Odyssey. Alors, on en était là, hein? Oh mais oui, c'est vrai, je suis une boule de feu, je peux aller voir Captain Toad. Il est où le prochain checkpoint? Parce que si je vais voir Captain Toad, ça veut dire qu'il faut recommencer tout ça. Et oui, la réalisation intensify, d'où le fait que je hausse le son de ma voix. En vrai, t'es admirative. Devant tant de skills, c'est incroyable. Tellement pas bonne en jeu de plateforme que tu joues pas à plein de jeux. Oh, c'est dommage. C'est vrai qu'après, c'est pas forcément toujours évident à prendre en main, mais... je suis sûre que tu pourras y arriver. Je crois en toi. Je crois en toi. Alors... Comment je me suis retrouvée ici? Aucune idée. Avec cette chaleur, difficile de garder la tête froide. On étouffe ici, hein? Tiens, j'ai ramassé une lune sur le chemin. Je te la donne. Yeah! Bon appétit, Captain Toad. Bon, comment je vais faire pour rentrer maintenant? Ah bah ça... T'as qu'à te transformer, Coco! Coco! Oh, ça brille! Comment je vais là-haut? Peut-être pas par la lave, parce que je suis sûre que si je tente d'y aller par la lave, j'aurai encore me cramer le cul. À mon avis, c'est par là. Bah, vous savez quoi? Allez! Ah non, je croyais que j'avais oublié une... Une pièce, mais en fait, c'est un habitant. Salut Julie! Ça va? Alors... Bah oui! C'est vrai, j'ai le TP, je peux me permettre. Alors, Ah, j'ai une alerte sur le stream. J'ai pas vu. C'était quoi? Bah attendez, je vais aller voir sur Streamlab comme ça. Yo sore. Alors, qu'est-ce que c'était? C'était... Ça charge. C'était... Un follow. Merci. Merci Lilo aussi. René vite. Bah oui. Ah, c'est pas le bon. Non, c'est celui-là. On fait que passer. Au revoir. Voilà.
petit boss fight en bouboule de lave. On va te farcir. On va se farcir le piaf. C'est quoi ça? Ça fait mal? Oui? Bon, vous me direz, c'est une boule à pic. Forcément, ça fait mal. Mais quand même, on peut essayer. Oh, mais c'est dégueulasse! Putain, mais c'est absolument dégueulasse, cet oiseau à la gerbe! Oh! C'est complètement dégueulasse! Il vomit dans la soupe! Mais non! La potée! On peut lui cramer le cul? Oh mais il dégueule! Oh mais c'est dégueulasse! Oh mais c'est dégueulasse! Ah oh, c'est dégueulasse! Oh, oh, oh. Oh là là! Mais non mais c'est dégueu! Oh bah non! Moi pendant ce temps je casse tous les ingrédients. Oh mais c'est dégueulasse! Oh ça suffit! Oh c'est pas... Oh c'est dégoûtant! Après le tu as craché dans ton yop, c'est tu as mis dans la soupe. Mais oui non mais c'est des... Oh plouf l'oiseau! Il mijote à petit feu. Bon appétit bien sûr, tout à fait. Tu as pris quelque chose. Il a pris quelque chose d'indigeste. Oh salut Kazami, ça va? Et non, pas de roulette. On a des bottes qui sont pas là ce soir. Et je ne parle pas de chaussures. Je parle de robots. Donc du coup, il y a certaines commandes qui ne sont pas disponibles. Ça arrive. Ça arrive. Bah oui, c'est pour donner un petit peu de goût et tout et tout. Ça mijote à petit feu sur un volcan. Voilà. Petit feu, hein. Maintenant, il faut qu'on rattrape cette crapule de Bowser. Non! Maintenant, faut qu'on explore le monde. T'as toujours pas compris, Capi, hein. T'as toujours pas compris comment ça fonctionne par ici. Bon alors, est-ce qu'on a un frère poil? Merde! Bah oui, je sais qu'on a assez de lune de puissance. Je le sais bien. Je veux un frère poil. Et je ne parle pas de poil de corps. Je parle de poil... Oh, mais comment il m'a cramé le cul en sournois! Salopio! Donner fin à tout ça. Aussi, pour le coup, je trouve que c'est quand même un petit peu pire. Parle de vomi dans la soupe, hein. Quand même. Allez, ramenons le marteau bro. Marteau bro. Je fais que passer, paniquez pas. Oh, ils font la cuisine! Oh là là! Mais qu'est-ce qu'ils sont mignons! Oh, le taxi tut tut! Oh, il y avait le lapin! Lapin! Attends! Toin! Bah si, justement, c'est ce que je dis. L'encranté, le Pokémon, c'est rien. Je veux dire... On parle de vomir dans la soupe, c'est un peu plus dégueulasse qu'une qu'un Pokémon hanté en forme d'encre. Enfin, pour moi, je trouve que le vomi, c'est quand même plus dégueulasse qu'une encre fantôme. Après... Après, chacun ses dégoûts. Eh bien, Axos, le château, eh ben, on a juste vu le tableau, et pour l'instant, pas grand-chose d'autre. Alors,
qu'est-ce qu'il nous reste à faire? L'encre poste, ça l'est. Ah ah! La poêle gagne sur le feu! Le taxi! Salut! Mais oui, mais c'est parce qu'en fait, il y a le petit squelette qui veut se balader de monde en monde. Le Zuitouzek. Le Zuitouzek. Qui veut se balader de monde en monde. Et du coup, il a fait appel à un New Donker comme taxi. Et maintenant, ils sont dans le monde des fourchettes. Oh putain, la réflexion du volcan dans le pare-brise de la voiture. Oh, mais c'est génial! Oh, c'est beau! Ah, bazar pour un hasard! Après le pays des arbres, le pays des gratte-ciel et le pays des chutes, on se recroise ici! Décidément, le monde est petit! Tiens, je te donne ça! Un petit squelette mexico-mélange. Un Zuitouzek au pays de la cuisine! Voyager et partir sans aise vers de nouveaux horizons! Conduis-moi vers l'inconnu, s'il te plaît. Surprends-moi. Entendu. Je connais un endroit qui devrait vous plaire. Je récupère juste ma potée à emporter. Et c'est parti. Un endroit inconnu. En route jusqu'au bout du monde. Et même au-delà. Vers l'infini et au-delà. Pardon. Phew. On vient de commencer les préparatifs et je suis déjà épuisée. Oh bah alors! Notre potée de fête est parfaite! Ni trop cuite, ni trop liquide! Pour fêter ça, on va organiser un petit gueuleton! Toi aussi, tu veux profiter de la vie avec des gourmands du monde entier? Alors ne rate pas notre carnaval culinaire! Ouais! Est-ce qu'on veut vraiment y participer? Comment on va faire pour la déco? Je m'en charge! Oh, le carnaval, j'adore! Je suis si heureux que j'en frémis des papilles! Nous devons tous se mettre la main à la pâte pour le carnaval qui approche! Tu dis rien, toi? Ah bah alors? Oh, regardez! Il le découpe! Oh là là! Il a une fourchette qui utilise un couteau! Tchac, 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 tchac! Une fourchette qui utilise un couteau! Oui! Organiser les carnavals, c'est pas de la tarte! On a du pain sur la planche, mettez-le au travail! Qu'est-ce qu'on fait déjà? On va montrer au monde entier ce qu'on sait faire de nos fours, de nos frouches! Petit couteau, petit couteau! Finalement, la viande a bien atterri dans la marmite! Ouf! Alors, qu'est-ce que vous racontez? Tu grisettes la miaou? Oh! Effectivement! Bon courage! Et oui, ça c'est clair que les resets de starter, ils sont assez chiants et assez longs. C'est vrai que ouais, c'est moi le chiant qui XY. Alors, on a combien de lunes? 43 sur 56. J'ai encore bougé le Joy-Con. Toutes mes excuses, je me crame le cul. Voilà. Avec l'indice du P de la... On n'a pas trouvé la photo. Ah ouais. Attendez, on avait trouvé la photo ou pas? Je me souviens plus. Non. On n'a pas encore trouvé la photo, effectivement. Où qu'elle est? Où qu'elle est-elle? Pas de soucis. Eh ben, bon Pokémon Go. On n'a pas encore trouvé la photo. Où qu'elle est? Oh mais non, mais pardon! Bon, ça c'est déjà pris. Peut-être elle est là-haut.
Et puis, faudrait retourner voir là-bas. Je vais déjà aller voir par là. Ah! Incroyable. Bon, ça marche pas très bien. On va se téléporter. T'as galéré à trouver la photo, mais me connaissant, je vais la trouver en 5 minutes. Oh! Bon, on verra bien. Déjà, je voudrais aller voir là-bas, là où il y avait la viande avant, à la place de la viande. Et je voudrais retourner voir là-haut aussi, parce que vu que le pot est dégagé, ça se trouve, il y a peut-être des trucs. Alors, on va explorer, hein. Après, on fera aussi peut-être un petit tour sur les montagnes. Et il y a peut-être de nouvelles choses à voir aussi. Maintenant. Oh! J'ai trouvé! C'est bon, je sais où elle est. Il faudra voir s'il n'y a pas des nouvelles choses qui ont. Oh! Voilà! Qui sont apparues, quoi. Oui, plutôt le ground pound job, c'est ça. Eh ben, effectivement! Effectivement, donc ouais, il y a des choses qui sont apparues, on va aller les ramasser et on va aller chercher la photo, hein? Alors c'est pas exactement ce que je voulais faire, mais bon, ça vibre. Il suffisait de prendre de la hauteur. Mais non! Ah! Oh! Ah! U! I! Arrête de te cogner! Ah! Oh! Pas si vite! Pas si vite! Putain, mais en plus, je suis passé 150 fois devant. Ah, mais oui! Mais oui! Mais oui! Mais oui! Alors, cette photo-là, je vais être honnête avec vous, je sais où elle est. Parce que je suis trop balèze. Non, parce que je l'ai vue. Oh! Mais je m'en fous. Ah, mais non, je glisse! Et ça va être la mort! La mort du cœur bonus. Ça fait presque carbonara. Cœur bonus, carbonara. Non, ça suffit. Mais avant d'aller voir la photo, on va. Allez voir ce qu'il y a là-haut. Est-ce qu'il y a de nouvelles choses, peut-être? On n'a pas encore vu notre copain, le lézard qui vole. Peut-être. Enfin, ça serait bizarre qu'il soit pas là, quand même. Donc, c'est pour ça, je pense qu'il doit être assez haut perché, comme d'hab. Oh, petite note de musique. On va recommencer parce que là, j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Voilà. Much better. Ah, le décalé! Allez! C'est bon! Mais oui, le petit Pouchi! Le petit Pouchi! Salut Shame! Et j'espère que je prononce ça bien. Et j'espère que tu m'en veux pas de ne pas prononcer le 10. Y a pas notre copain le lézard volant? C'est étonnant. Après, peut-être qu'il est là, mais que je l'ai juste pas vu, hein. Je pensais qu'il serait en hauteur, mais je suis peut-être allée trop haut.
Et au fait, il manque des pièces. Est-ce que j'avais été chercher les pièces là-bas? Ah, je plafe sur la montagne. Non, pas encore! Non, pas encore! Le décès! Il est comme moi, il supporte pas la chaleur. Oh! Ah là là, j'ai fait n'importe quoi. Est-ce que... Non, je crois pas que j'ai été récupérer les pièces là. Il me semble que je les ai pas prises. On va vérifier ça tout de suite, mais... Effectivement, je les avais pas ramassées. Il ne nous manque plus que 3 pièces. Alors oui, en général, c'est plutôt des 2 pièces ou des pièces... des tailles des maillots, une pièce. Hein. Alors, les 3 pièces c'est pas courant. Putain, mais j'en ai marre de me cramer le cul. Alors, il y a... Là où il y avait eu des nouvelles pièces, est-ce qu'il y a un autre endroit où il y a de nouvelles pièces? Peut-être là? Alors, en tout cas, là, il y a un épouvantail que je n'avais pas vu. Ben, il y aura peut-être des pièces là-dedans. Mais oh! Trois pièces, c'est bien quand t'as un enfant. Et à mon grand désespoir, on dirait qu'il n'y a pas de pièces violettes ici. Je suis... Oh, si, j'ai rien dit, c'est bon, on a toutes les pièces du monde. Ferme ta gueule, Lulu, et regarde mieux. J'ai vu les pièces, tout va bien. Je vais encore crever. Je vais crever comme un caca. Et voilà, je l'avais bien annoncé. Ah, il est très très bien le jeu. Bah 18-19, ça va, c'est une température correcte quoi. Oh, la petite propulsion. T'as ragé à ce niveau bonus. Bah écoute, ça commence très très bien comme tu peux le voir. Salut Kimou, et oui t'arrives et c'est la mort, mais c'est pas grave, c'est pas grave, on la prend avec plaisir, pour l'instant. Alors, hop, mais comment tu veux que je fasse ça? Allez Mario, accroche-toi. Trop facile. Soin. Non, ma petite pièce! Ma petite pièce! Ni de la pièce! C'est la dernière qui me manque! Petite projection! Ah! Oh! Oh! La vitesse, l'inertie, tout ça. Oh! Incroyable! On perd tout notre argent! Mais pourquoi est-ce que t'as fait ça, Mario? Non! Oui, parce que c'est de la faute de Mario, c'est bien connu. On meurt de plus en plus tôt. Ça nous inspire confiance. Ah non! J'aurais pas dû hésiter. J'aurais pas dû hésiter. J'aurais pu m'accrocher. Ah bah, c'est clair qu'il y a certains niveaux bonus, le challenge, il est bien là. Hein.
Oh! Ma tomate! Ah! Ma tomate! C'est bon! Oh! Mais comment tu veux que je fasse ça? Pa-da-pa-pa-pa-pa-da-pa-pa-pa. Je n'irai pas prendre les anneaux. Eh bien, on s'en fout des anneaux, on a toutes les pièces violettes, c'est tout ce qui compte. Ah non, mais c'est complètement ça, hein, c'était des espèces de grosses brochettes de couture, on dirait. Eh ben dis donc, c'était pas... c'était pas simple, hein. Là, c'était pas simple. Mais c'était sympa. Et voilà, on a tout acheté. Yeah! Alors, est-ce que, à part l'indice, la photo, est-ce qu'il nous reste autre chose à faire? Petit perrot truc, dis-nous tout. Dans un coffre entouré de légumes. Dans un coffre entouré de légumes. Alors on va déjà commencer par chercher par ici. Mais parce que c'est là où il y a le plus de légumes, mais c'est peut-être pas ici. C'est peut-être pas ici. Il y avait une flèche vers une tomate. On va retourner voir ça après alors. On va retourner voir ça. Ah. Mais après, c'est vrai qu'il y a plein de petits trucs qui sont apparus. Oh mais attendez, je suis pas allée là-bas. Regardez là. Il y a une petite porte. On va voir la porte et après on ira voir la flèche. Mais j'étais pas déjà venue là? Remarque, je sais plus si la porte était déjà là ou pas. Oh bah, moi je vois des légumes. Je vois un coffre. Et je vois une lune! Ouais! On va quand même regarder cette histoire de flèche et de tomate, mais du coup, je pense qu'on est bon. Alors, flèche. Alors moi je vois pas grand chose. Où est-ce que vous avez vu une flèche?
Oh putain, j'ai réussi à mettre ça dans le... J'ai réussi à foutre le petit truc dans le... Dans le machin. Vous avez tout compris. Sur le tas, à gauche des bâtiments. Ah oui, là! Ah oui, non, mais en fait, cette flèche, c'est juste pour dire qu'on peut lancer Capi sur les tiges. Mais effectivement, c'est... on sait jamais, on sait jamais. Alors... Ah! On a encore un épouvantail! On a encore un épouvantail. Alors, non. Est-ce que ça va être un épouvantail ou est-ce que ça va être un bouton à appuyer comme, comme on a eu dans les autres mondes? Ça va peut-être être un bouton sur lequel il faut tape-cul. Mais alors, où? Ça, c'est la question. Peut-être peut-être par là-bas. Là, la lune que je cherche, c'est la Athletic Tac 3. C'est la 20e. Mais comme j'ai déjà trouvé deux épouvantails, à mon avis, c'est peut-être un bouton sur lequel il faut appuyer. Il y en a, quand il y en avait eu trois dans le monde d'avant, le troisième, c'était un des boutons sur lesquels il fallait appuyer. Donc je me dis que ça va peut-être être ça. Ah bah c'est sûr que la chasse de Shiny c'est un peu... C'est un peu chercher la merde. De base. Et quand en plus c'est des pourcentages à la con... Ah mais c'est parce que... Ah bah il est là! Bah non en fait c'est un troisième épouvantail et il est là. Il est là! Mais putain, la plateforme qui bouge là! Ah, oh, Mario qui meurt là! je me téléporte. Salut! Salut! Alors. On va faire comme ça. Oh putain, je le rate! Non! Sauve-moi la vie, Capi! À te faire foutre! Bon, il faut que je triple jump. Ah, mais il faut que je triple jump bien aussi! Non, mais si je saute à côté, on va pas s'en sortir. Voilà. Ouais! Oui, oui, effectivement, il reprend plein de petits trucs de différents Mario. Et en même temps, il a ses propres éléments. Donc, c'est pour ça que ce Mario, c'est plein de choses nouvelles et en même temps,
plein de choses réadaptées. C'est un nouveau Mario, mais on se sent comme à la maison. Donc la photo, très bien, ça c'est ça on sait. Et j'ai l'impression que c'est tout ce qui nous manque. Eh bien, soit, allons-y, let's go, c'est parti les amis. Est-ce que j'ai honte à peine? Paf! 399. Oui, allons-y. Alors, comme c'est là maintenant où on aurait dû voir ça, je vous le montre parce que c'est là où, quand on va dans un autre monde, on aurait dû voir ce dialogue. Du coup, je vous le montre. Quand j'ai activé ce matin le vaisseau, on a eu donc un nouveau pays. Et ce nouveau pays, c'est... On peut se rendre au pays de... Bowser ? Quoi ? Cette crapule a son propre pays ? Voilà. Donc ça, c'était le dialogue qui s'était déclenché quand je suis allée sur la carte. Et ça, on va le lire juste après. Parce que je le fais bien. Oh ! Voilà. Et donc là, c'est le dialogue que vous auriez dû voir aussi à la suite et que je vous ai gardé de côté, où Capi, il disait... Oh, putain, comment il est dégueulasse vu qu'il est tout le temps en mouvement, c'est magnifique. J'ai cru que j'allais fondre tellement il faisait chaud. Je me sentais comme une patate dans une marmite de potée. Voilà. Et là, vous avez eu les deux dialogues que vous aviez manqués ce matin parce que j'avais zappé qu'en allant dans un autre monde pour faire un mini-jeu, il y avait ça qui allait se déclencher. Oh, mais j'ai encore le hockey, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, à peine je dis ça, il est déjà parti. C'est magnifique. Alors... Le retour de l'eau qui pétille dans nos oreilles. Oh là là. Oh, ces petits sons. Et Ben, tu savais qu'on pouvait dasher avec les chip chip en appuyant sur A et... Enfin, sur Y et B. Parce que moi, je le savais pas. Et j'ai découvert ça hier soir. Du coup, pour le cas où, je partage mon expérience. Et j'ai aussi trouvé comment attaquer sans secouer le Joy-Con. Il faut genre tourner sur soi, tout simplement. Mais c'est des petits trucs que je suis contente d'avoir trouvé. De la bonne bouffe, de l'eau pétillante, c'est un jeu de plateforme ou un jeu de cuisine? Ah ah. Et du coup, eh bien, la photo, c'est ici. Voilà. La photo, c'est ici. En vrai, on aurait mis beaucoup plus longtemps à la trouver, mais je savais où celle-ci, elle se trouvait. Donc, autant aller très très vite. Hop, c'est parti! Speedrun d'une lune. N'importe quoi. Ouais! Donc on va aller déposer notre lune, normal. Hop. Maintenant faut que tu joues avec les Joy-Con à part vu qu'il faut spammer le motion control pour le speedrun. Bah oui, si effectivement, ouais, ça m'étonne pas que le motion control soit utilisé pour le speedrun. Ça ne m'étonne point. Une lune. Alors oui, on a testé justement avec Ben, c'est tout à fait possible. Par exemple, si tu refais une partie à côté, si tu sais que la lune est là, tu peux la trouver parce qu'en fait, elle est là.
Simplement, contrairement aux lunes qui sont cachées dans le sol et qui vibrent, qu'on peut trouver justement grâce aux vibrations des manettes, celles des photos indices ne vibrent pas. Donc elles sont là, mais à moi de savoir qu'elles sont là. Ah non, c'est pas possible! Oh, je pensais qu'on avait vu quelqu'un le faire. Bah, je dis de la merde! Voilà! Je dis de la merde! Moi, je pensais qu'elles étaient là, tu vois. Bah, après, faudrait essayer à la limite. Hein. Faudrait faire une partie et. Bah, non, remarque, maintenant que toi tu speedrun le jeu, c'est vrai, tu sais mieux. Je raconte de la merde! Oubliez tout ce que j'ai dit, c'est de la merde! Je parle de n'importe quoi. Et puis voilà. Donc apparemment, non, les gens, les speedrunners confirment, c'est pas possible. Moi, je pensais que la lune, elle serait là quand même. Mais apparemment, non. Il faut voir l'indice pour déclencher l'apparition de la lune, d'accord. T'as essayé et pas du tout, c'est dommage. D'ailleurs, ça oblige à trouver toutes les photos, effectivement. Ah bah oui, c'est de la désinformation, je suis désolée. Tu vas quitter ce stream envahi par des fake news. Non! Au revoir, Julie! Tu vas me manquer! Je ne trouve plus d'indices! Ouais! Eh bien, on va partir pour le monde suivant. Mais avant cela, eh ben, on va aller faire une petite pause pipi. Fake news! Mais oui, non, mais désolé! Désolé, pardon du pardon! Alors, hop! Petit BRB. Je reviens tout de suite. À tout de suite. Du tout de suite. Tout de suite. Voilà. Hein ?